Vu pour le monde, c'est sous sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le Live Summit American Custom Shorwell. Donc en bronze, on a 5000 pièces détachées. En argent, on a 200 000 bucks. En or, on a un peu commun fumé rouge low poly. Et en platine, on a une Chevrolet Impala American Custom Edition. Voici les épreuves et les défis de ce summit. Donc on va commencer par se faire du Street Tier 2 avec un véhicule prêté. Je vous conseille la Chevrolet Impala American Custom Edition. Pas de pièce de performance ni de réglage pro vu que c'est un véhicule prêté. Ouais, bon, ça sert à rien que je fasse mieux, j'y arrive pas. Ça sert à rien, je vais pas y arriver à faire mieux, je sais pas comment j'ai fait la première fois. Enfin, faut que je réessaye parce que là j'ai l'impression que j'ai mal joué, mais. J'ai l'impression que c'est foutu. D'une manière ou comme d'une autre, je pense que c'est moi. Eh bah ben, j'ai réussi à battre mon record de 2 secondes, je sais même pas comment j'ai fait ça. Moi j'ai mieux géré la nitro, en gros j'ai utilisé la nitro aux endroits où il fallait. Bon, en fait j'ai compris un truc, la nitro je la mettais il y a des endroits où il fallait pas. Et à chaque fois je la nitro, je la mettais toujours dans les lignes droites et avant, dès que j'arrivais devant un virage devant moi, je la mettais pas. Je la mettais de façon stratégique aux endroits pile poil où il fallait, mais pas simplement je la balance aux endroits où il faut pas. En gros, j'ai joué de façon stratégique, utilise la nitro uniquement à ce moment opportun, mais pas utiliser la nitro juste après il y a un virage de. En gros, on refait une recharge de nitro, juste après il y a un virage de. Un tout petit virage juste après, et je me suis dit, bah non, ça sert à rien de mettre la nitro juste après il y a un virage, attendre la ligne droite d'après, où il y a une grande ligne droite, et là, la mettre.
mais pas totalement à fond. Pas la mettre totalement à fond, et après, quand il y a un autre tronçon ligne droite, on rebombarde. Et là, du coup, j'ai réussi à gratter quand même 2 secondes, c'est quand même énorme, quoi. Donc, maintenant, on va se faire du strict tir du. Et bon, c'était quand même galère quand même de réussir à faire mieux, quand même, hein, mais bon. Donc là, je vous conseille la Chevrolet Corvette Stingray Interception Unit. Alors, sur cette course, on pourrait faire mieux, mais le raccourci, alors il y a un raccourci, mais. On va pas le faire, il y a un raccourci, mais il faut faire une butte, mais moi je vais faire l'autre. Hein. À voir si c'est rentable. La première fois que j'ai joué, j'ai joué un peu au pif, donc honnêtement, celle-là, c'est sûr que je fais mieux sans forcer. Enfin, j'espère. Je vous conseille la Chevrolet Corvette Stingray Interception Unit. Donc cette course, il y a un raccourci. Mais du coup, c'est pas là qu'il fallait tourner. Fallait tourner un peu plus loin. Voilà, en fait, il y a un raccourci sur cette course et. Bah, je l'ai jamais vraiment. J'ai jamais fait ce raccourci sur cette course. Et bon, en vrai, il est peut-être pas forcément hyper rentable, mais. En gros, faut tourner ici. En fait, faut tourner là et ensuite faut rattraper la route ici. Mais j'ai l'impression qu'on prend plus de. En vrai, hein, j'ai l'impression qu'on perd plus notre temps à faire le raccourci qu'on que pas. Hein. J'ai l'impression qu'on prend notre temps pour faire le raccourci, pour pas se foirer, pour pas se tromper, du coup on va pas à haute vitesse et du coup je pense qu'on perd du temps. Mais. Enfin, cette course elle est. Voilà, elle est bizarre cette course honnêtement. Ça se compte, elle dure 3 tours, mais elle est toute petite et elle est marrante comme cette course. Hein. Elle est marrante puis elle est pas mal. Moi en vrai j'aime bien cette course. J'aime bien cette course. Ça paraît bête mais en vrai elle est pas mal. Bah, elle est dure, hein, faut pas croire. Hein. Mais elle est pas aussi dure que toutes les autres courses. Je pense que cette course est peut-être la course la plus facile à faire des points sur ce summit. Hein. Enfin, il y en a d'autres où c'est simple aussi. Mais ça fait pas autant de points. Cette course, elle, vraiment, tu fais masse points. Mais même si tu joues pas bien en réalité. Hein. Moi, c'est la première fois que j'ai joué cette course. Je peux vous dire que j'ai vraiment mal joué. Hein. Ouais, le raccourci là je sais pas trop s'il est temps s'il faut faire quelque chose. Hein. Pour l'impression que il est rentable. Hein. À niveau rentabilité, je pense qu'il l'est pas. Hein. Bah, c'est pas qu'il l'est pas, mais c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on perd notre temps à faire ça, donc je pense que ça l'est pas. Mais c'est. Bah, je sais pas. Enfin, c'est toujours pareil, après il faut utiliser la nitro. Voilà, de façon correcte. Mais vu que cette course, elle a jamais de ligne droite, c'est pour le coup, elle fait que tourner à toutes les 10 ou toutes les 5 secondes, ça fait que des virages. La nitro, pour l'utiliser efficacement sur cette course, ça va être un peu compliqué. Hein. Bah, il faut utiliser la nitro quand tu sors d'un virage, mais quand tu as une ligne droite. Parce que si tu utilises la nitro, hein, juste genre 200 mètres après un virage, bah en fait, ça sert à rien. Globalement. Bah globalement ça sert à rien en gros. Soit tu l'utilises mais genre à peine hein, mais la bombarder fort ça sert à rien. Et surtout que quand on bombarde la nitro, il faut utiliser que la moitié de la barre de nitro. Hein. La moitié. Parce que l'autre moitié, elle sert pas à grand chose. C'est pas une théorie, hein, c'est pas une blague du tout. Si on utilise l'autre moitié, la voiture en fait elle monte pas vite dans les tours. C'est le fait qu'on appuie sur la nitro, ça fait la voiture, elle monte dans les tours plus rapidement. Sauf que la première barre de nitro, elle augmente plus rapidement la voiture dans les tours. Sauf que quand tu appuies sur la deuxième moitié, tu gagnes 3, 4, 5 km/h quand tu appuies sur la deuxième moitié. Ce qui en fait ne sert à rien du coup. Donc c'est-à-dire que tu as la moitié en fin de compte de la nitro qui sert à rien. C'est exactement comme le Sucre 2. Voilà, faut faire ça, c'est tout pour voir. C'est. Et encore, ça dépend des catégories. Parce qu'il y a des catégories où c'est même pas que ça qui sert à quelque chose. Il faut utiliser genre. Utiliser allez genre t'appuies à peine 1 seconde sur la nitro et c'est tout et c'est déjà et tu peux pas déjà pas faire mieux. Alors, je crois que je fais pas mieux hein. Ah si je fais mieux. Ah est-ce que je sais pas ce que je pensais que j'avais fait 140 000 dans la course mais ah j'ai fait 136 000 dans la course hein. Ah du coup je vais s'abattre de 3 secondes à ah, 3 secondes c'est pas quand même je pense pas que c'est le raccourci qui me fait gagner 3 secondes mais. Parce que je l'ai pris lentement. Il y a même des moments où j'ai freiné
Alors que je pouvais très bien aller plus vite, hein. Je le sais parce que j'ai freiné, je me suis dit, bah là je freine trop, là, je devrais pas freiner. Et j'ai freiné. Je sais pas pourquoi, j'avais peur de pas faire le virage correctement, donc j'ai freiné plus qu'autre chose. Bon bah premier essai c'est bien, au moins je fais mieux. Alors c'est pas grave, on peut pas les 140, je pense que c'est faisable, mais c'est pas grave, du moment qu'on fait mieux, c'est bien. Et bon, vu le classement qu'on a, 1 280 000, j'ai vu des personnes faire 1 280 000 points et ils ont fini leur summit en disant c'est bon. Donc concrètement, voilà. Rien qu'en deux courses, et globalement j'ai gagné d'avance. Donc maintenant on va faire cette course là avec la Hoonigan Chevrolet Big Block. Bref, j'ai pas cette voiture là. Parce qu'elle est équipée ici. Donc je reviens quand je la pièce, à tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Donc, je conseille la Hoonigan Chevrolet Big Block 632 du Camaro. Le Camaro. Bon, malheureusement, je suis moins bien sur cette course. Hein. Ouais, bah, je fais moins bien. Bah, je fais exactement le même score qu'hier en la faisant pour la première fois. Entre guillemets. Ouais, c'était pas mal rentable ce que je viens de faire à l'instant. Voilà, par contre le virage je prends trop là.
Ah, j'ai battu mon record de 4 secondes. Hein. Ah, c'est top. Je sais même pas comment j'ai fait ça. 4 minutes 10, avant j'arrivais pas à faire 4 minutes 4 avant ça, pas grave. 125 000. Voyons, hein. Ça abusait parce que sur cette console, la dernière fois que je l'ai fait, je l'avais à peine à faire 120 000 et... Alors c'était déjà ric-rac, hein. 1236e mondial. Hein. Pas mal, en vrai. Une seconde. Ah, j'ai gagné qu'une seconde. Ah, j'ai gagné qu'une seconde. Ah, donc en vrai, c'était en vax. Enfin, c'était vraiment chaud, quoi. Une seconde, et ça m'a fait gagner 2229 francs en plus, c'est quand même. Hein. Ouais, j'étais à 120 000 à la base. Hein. Donc, ouais, c'est comme pas mal. Bah, c'est parfait. Hein. Maintenant, on va se faire du street tier 1. Alors, la voiture que je vous conseille, c'est la Ford Focus RS de 2016. Et faites bien attention. Parce qu'il y a deux Ford Focus sur le jeu, et c'est bien celle de 2016 hein, qu'il faut. Quarante-deux mille. Ah, je crois que je fais méga nul là. Ah, c'est mieux. Et 3 secondes là. Et pourtant, j'ai même pas forcé. Hein. Ah, j'ai un peu forcé, mais bon.
Ah, il y a un raccourci, je suis pas sûr du tout qu'il fallait le faire. Mais sans faire exprès, j'ai fait un raccourci qui m'a, je pense, fait gagner 3 secondes. Parce que ce raccourci, personne le fait parce que bah, c'est globalement pas rentable. Sauf qu'en réalité, ma façon de jouer fait que le raccourci, j'étais optimal pour le faire. Alors, ça, comment? Mais bon. Bah, ce raccourci, je me suis toujours dit, le checkpoint est mal placé, du coup, il est pas faisable ce raccourci. Alors que là, ma trajectoire était parfaite pour le faire. Mais normalement, de base, ce raccourci, il est impossible à faire, on peut pas le faire. Checkpoint, il est pas assez loin, il est trop proche. Sauf que moi, ça sert pourquoi ça a marché. Je pense que la comptabilisation du checkpoint est mal fait et du coup, ça veut dire que ça compte malgré le fait que je suis pas à côté. Donc, c'est de la chance. Mais bon, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la zone d'activation des checkpoints est aussi large. Sachant que pour moi, si on touche pas le plot ou si on touche pas le plot, on n'est pas dans la zone en dedans, ça devrait pas marcher vraiment. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les collisions, parce qu'il y a des collisions, et les collisions doivent être trop. C'est une zone tout simplement d'activation du checkpoint et ça doit être trop large. Donc bon, faudrait que je leur explique, faudrait vraiment que je leur demande pourquoi la zone est aussi large, parce qu'à chaque fois qu'on passe à côté, ça marche. Mais bon, si un jour j'arrive à les voir. Bon, maintenant à se faire avec cette voiture, mais elle est équipée sur cette voiture là. Donc je reviens avec les pièces. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Donc je vous conseille la Chevrolet Silverado 1500. Cette course-là, par contre, ça va être... elle est galère. En réalité, je sais pas pourquoi, mais elle est super dure, cette voiture à conduire. Bon, cette course, faut vraiment faire un perfect pour vraiment réussir à faire un gros score dans cette course. Parce que j'ai réussi à finir 100e mondial dans cette épreuve. Mais... je peux vous dire que le nombre de fois que j'ai essayé, je l'ai tryhard hein, pendant, allez, je sais pas combien de temps. Je l'ai tryhard pendant 10-15 essais, avant de réussir à faire un bon score. Hein. Mais bon, je veux dire que je suis pas peu fier de ce que j'ai fait comme score, mais là maintenant, pour essayer de battre son record, ça va être tendu, voire impossible. Il faut savoir que sur cette course, la Nitro, elle se recharge instantanément. Elle se recharge super rapidement, instantanément. Ouais, je pense au le truc qui se recherche instantanément à la Nitro là. Puis d'ailleurs j'espère qu'on l'aura pas un jour parce que ça c'était l'enfer. La recherche instantanée de Nitro. Franchement s'ils nous mettent en conduite irréprochable le instantané de Nitro ça va être la galère. Hein. Bah, surtout que c'est soit l'un ou l'autre. Hein. De toute façon c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais juste que j'espère qu'ils vont pas nous mettre le conduite irréprochable ou je sais pas trop quelle connerie. Hein. Parce que maintenant à chaque fois qu'on a un conduite irréprochable maintenant les bugs... c'est les points limites maintenant. Alors honnêtement, si je dois dire mon avis ou pas sur cette histoire de conduite irréprochable qu'on a pu avoir mais qu'on va forcément rien voir, hein, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça complexifie plus le summit, mais est-ce que c'est plus rageant qu'autre chose ou pas? Honnêtement, c'est très rageant au début. Après, bon, ok, tu sais, au bout d'un moment, après, à force de faire la course, tu t'appliques plus. On va dire quand tu fais un summit, tu joues un petit peu, pas vraiment, mais tu joues un petit peu comme voilà, tu joues n'importe comment et globalement tu fais un gros score. Ça dépend les courses, réellement ça dépend. Il y a des courses, il faut être vraiment appliqué. Pourquoi je ne sais pas. Et il y a des courses, il n'y a pas besoin d'être appliqué pour faire un bon score. Hein. Est-ce que les développeurs eux-mêmes ont galéré sur la course, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de s'appliquer? Parce qu'il y a bien un temps de référence sur une course. Hein. Le temps de référence doit être un temps de référence que eux ont fait eux-mêmes. Hein. À moins qu'il y a un mois qu'ils ont programmé un bot qui fait la course et qui après je sais pas comment ils font. Mais il y a bien au moins une personne qui fait la course avec des loups verts ou je sais pas de quelle couleur. Hein. Et ensuite, ce temps de référence est le temps de référence pour la course de chrono. Je pense parce qu'il y a forcément un temps de référence. Est-ce qu'il se référence hein, au mondial? C'est si on se réfère au mondial, globalement il faut faire 20 secondes de moins. Hein. Même 30 secondes de moins, parce qu'entre le mondial qui peut tricher ou en moi. Je sais pas. Il y a un temps de référence qui doit être entre le record mondial et les gens qui arrivent à peu près et les gens qui sont vraiment pas bons. Je sais pas comment ils font. 121 000. Je crois que j'ai battu mon record sans forcer là. Ouais. Pourtant j'ai dit que j'allais jamais battre sur score tellement que j'avais une tryhard à trop. Ben j'étais top 100 mondial la semaine hier et ben du coup j'ai battu mon record. Voilà, je suis 486 parce qu'entre temps il y a des joueurs qui ont joué mais hier j'étais 100e pile poil.
Et j'ai fait mieux, alors là c'est un gros coup de bol là. J'ai fait mieux de 149 centièmes. Autant dire que c'est joué tout simplement à un fil. 149 centièmes. Tu joues juste à, tu fais un virage à peine moins bien, mais de à peine. Tu fais pas bien. Tu fais pas mieux. Donc globalement, j'ai juste eu un énorme gros coup de bol, quoi. Là je refais, je fais pas mieux en gros. Voilà, c'est pour dire. Bah je sais pas comment j'ai fait. Bon bah tant mieux, on va pas se plaindre, hein. Je fais 117 points de plus. C'est pas que c'est pas intéressant, mais 117 points, c'est toujours ça de prix. Hein. Et bon, du coup, j'ai les 117 et les 121 000. Ah, j'ai 121 000 points, donc du coup, c'est un peu mieux, hein, mais globalement, tant mieux. Hein. 552e mondial, je suis pas prêt de perdre, hein, honnêtement. 1 289 000. Je sais pas, 1 300 000, c'est largement faisable. Hein. Mais pour un record mondial, il est fait. Je vais pas dire que je vais les faire, mais je sais que le radar, je peux gratter 5 000, 6 000 points. Donc, avec un peu de chance. Il y a moins que je les aime de justesse. Donc croisons les doigts. Hein. Mais vraiment croisez les doigts. Hein. Parce que là, je suis pas sûr que je vais les avoir. Maintenant, on va se faire cette épreuve de Street Tier 1. Elle est képée sur celle-ci. Sur celle-ci. En plus, je crois que cette course, je l'ai mal joué. En plus, c'est ça le pire. Je crois que je vais faire mieux. Mais attention, je dis pas parce que là, quand j'ai refait le quand j'ai rejoué, après, j'ai quand même fait un bon run. Hein, donc ça va être tendu, quoi. Du coup, j'ai pas les pièces sur cette voiture. Donc faut que j'équipe d'autres pièces. Donc je reviens. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Je vous conseille le Proto Open Burning Well édition. Donc en fait, on a l'impression que c'est une voiture de dragster. Hein. Bah, ça pourrait être littéralement une voiture de dragster. Mais, bon. Mais cette voiture-là a un réglage qui fait que là, elle est super bonne à conduire. Hein. Parce que j'ai vu des joueurs jouer cette voiture et bah, c'est un enfer. Hein. Donc j'ai de la chance. Bah, à la fin de la vidéo, il y a un réglage et franchement, il est vraiment cheaté. Hein. À ce qui paraît, j'ai fait exactement le même score au centième de seconde et à la seconde près. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais à ce qui paraît, le jeu a considéré que j'ai fait exactement le même score. Comme si j'avais eu le score maximal et que je ne pouvais pas faire mieux. Parce que quand tu as le score maximal, c'est exactement ce qui se passe. Ça fait ça en mode, tu as le score maximal, alors le jeu considère que tu fais mieux, mais du coup, bah, tu fais pas mieux, donc tu fais pas plus de points ni rien. C'est pas rouge ni vert, c'est juste c'est la même chose. Alors là, pour faire le même score au centième de seconde près, c'est impossible. En réalité, c'est impossible. Ça se joue tellement, c'est tellement variable que faire le même chose, c'est impossible de faire la même chose. Seul un robot programmé à faire la même chose fait exactement le même score. Hein. Parce que attends, faire le même score au centième de seconde près, c'est pas normal, hein, honnêtement. L'aléatoire est tellement improbable que faire le même score, c'est carrément illégal, quoi, en vrai, de faire exactement le score au même centième de seconde près. Et pire, c'est que c'est pas la première fois que je fais ça, hein. Et pourtant, j'ai vu personne faire ça, hein. Faire le même score au centième de seconde près. Bah, c'est pas normal, hein. Je fais même pas moins bien, je fais pas mieux non plus, c'est juste pareil. Sur une course de chrono, c'est impossible de faire juste pareil, en vrai, hein. Le même score. Et pourtant, je changeais une arrivée avec le même score. À croire que je fais exactement les mêmes mouvements. C'est étrange, hein. Mais c'est très possible, étant donné que je l'ai déjà dit que je faisais exactement les mêmes mouvements au même endroit, au même centième. C'est probable que je fais exactement la même chose pile poil qu'hier. C'est étrange, hein. C'est suspect. Hein. C'est le jeu qui s'est froid, c'est le jeu qui s'est trompé. Ça va, pour faire exactement la même chose en centième de seconde. Mais ça mériterait d'une capture d'écran, ça. De montrer que je fais exactement la même chose. Mais vraiment, genre chelou. Mais même le directeur lui-même, il comprend. Je pense pas qu'il comprendrait comment j'ai fait un truc pareil. Ah ouais, bah faudrait que je le fasse, faudrait que je lui montre la capture d'écran pour dire j'ai réussi à faire exactement la même chose, ça m'arrête, non, comme non. Mais parce que sans déconner, moi je parle vraiment au directeur du jeu. On me croit ou pas, dites-moi quelque chose à signaler sur le jeu, je le dis et vous irez bien. Ah, c'est vrai, hein. S'il y a un problème sur le jeu, c'est moi qui faut le dire. Parce que sur le compte officiel du Twitter, ils vont pas forcément répondre. Hein. Ils voient les messages, donc globalement ils les voient. Hein. Mais ils répondent pas. Parce que s'ils prennent le temps de répondre à chaque personne, bah surtout qu'il y a des personnes cancer dans les messages qu'ils mettent. Hein. Donc je pense que
Bah, ils font ce qu'ils font, mais voilà, globalement, ils vont pas forcément répondre, parce que s'ils voient quelqu'un qui va dire ce qu'il va dire, bah, globalement, voilà, quoi, ils vont pas répondre parce que c'est triste, quoi. Et franchement, vu le travail qu'ils font pour faire ce jeu-là, ce serait pas moi qui le serais à leur place, je pourrais pas faire ça. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est capable de fabriquer un jeu, globalement, s'il est bon. Mais il faut quand même être un nombre incalculable de personnes travaillant sur ce jeu pour réussir à faire ce jeu. Et s'il y a des bugs, bah il faut les dire, il faut pas faire genre qu'ils sont pas là. Parce que tant qu'on dit rien, ils seront toujours là. Alors, il y a des bugs des fois qui restent toujours là, mais c'est peut-être parce qu'ils les ont pas vus. Des fois. Ou ils n'ont pas eu le temps de les faire, hein, les corriger. Hein. Parce que qui sait qu'ils ont. Ils prennent des vacances hein, des moments d'autre. Hein. Donc bon. Donc là globalement ils sont peut-être en vacances, donc je pense que ça sert à rien pour l'instant. Bon, en septembre, ils verront je pense. Bon, allez, je pense que je fais mieux. Allez, 3 minutes 54, je crois que j'ai pas fait ça, je crois que tout à l'heure j'ai arrivé à 3 minutes 4 minutes, je sais plus combien j'ai fait. Je crois que je fais mieux là. Hein. 126 000. Bon, j'ai clairement jamais fait 126 000. Donc là j'ai dû gratter 5000 points là. Et j'ai pas pensé, hein. Là, j'ai fait mieux dans tout le film, du coup. 539e mondial. Bah ouais, bah j'ai pas forcé 3 secondes de gagner. Et bah voilà. Je fais 4500 points. En plus. 300 points. Bah c'est pas mal, hein. Il a mis en 300 000. On s'en rapproche. Dangereusement. On a fait 1 294 000, hein. Si le radar, on gagne 5000 points, on est sûr de les avoir. Donc là, ça va se jouer au point près, hein, mais vraiment. Maintenant, on va se faire un slalom, aucune restriction. Alors, je vous conseille du coup la Red Bull RB14 description édition. Donc ce slalom-là, du coup, je vous conseille de le faire dans le sens inverse. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de le faire, hein, le slalom. Ouais, à cause d'un seul PNJ qui m'a tapé, mais bon. C'est comme ça la circulation. Hein. La circulation, c'est embêtant comme la circulation. Mais bon, malheureusement, la circulation restera là toujours, hein, malheureusement. Hein. Parce qu'étant donné qu'ils veulent pas l'enlever, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a une seule solution, honnêtement, c'est les rendre transparents. Soit les rendre transparents, soit de faire de sorte que quand au lieu de les toucher, bah il n'y a pas de collision. Ça paraît bête, mais tu les vois, mais quand tu les touches, tu les touches pas. Parce que les collisions ne sont plus présentes. Donc du coup ils sont toujours là, mais il n'y a plus de collision. Donc qui dit plus de collision, qui dit qu'ils ne te gênent plus et le problème est réglé. Est-ce que globalement c'est compliqué ou pas de les rendre. Bah, tout simplement sans collision, c'est un objet en gros. Un PNJ, c'est tout simplement un objet avec des collisions. C'est un cube globalement où on met des collisions pour qu'on puisse taper l'objet. Sauf que nous, on ne veut pas taper l'objet parce que ça sert à rien et bah, justement, c'est relou. C'est comme si tu avais une brique qui bougeait toute seule et cette brique, bah tu voilà, tu le veux passer à travers. Et ben, bah, moi, nous, on aimerait bien que les PNJ ça soit ça. Est-ce que je veux dire? Parce que le problème, c'est que avoir une circulation qui est dense, hein, plus ou moins dense, mais qui est aléatoire en fonction d'où il se trouve, bah, ça veut dire qu'en gros, c'est aléatoire. Et moi, j'aimerais bien leur faire comprendre que c'est aléatoire. Hein. Et du coup, bah, il faut vraiment avoir un miracle pour réussir à faire la même chose qu'un record mondial, globalement. Un tracé d'un record mondial ne peut pas être fait. Parce que c'est toujours aléatoire. Aux endroits où il passe, ça ne sera pas possible de passer. C'est comme si tu avais un train où la barrière se ferme, ah tu sais jamais quand elle se ferme, et à tout bout de champ la barrière se ferme, est-ce qu'il y a un train qui va passer, mais tu sais pas ça quand le train passe. Donc globalement, t'es obligé de t'arrêter parce qu'il passe. Bah c'est exactement pareil. Donc honnêtement, c'est pas cool quoi. Moi je le dis, c'est pas cool. Maintenant, ils font comme ils veulent, mais c'est pas cool honnêtement de se dire que c'est aléatoire. Moi je vois pas pourquoi les courses, hein, y a pas de PNJ, alors autant mettre des courses dans les PNJ alors. Autant qu'il y a les PNJ dans les courses. Ça reviendrait au même. Alors pourquoi les courses on n'a pas de PNJ? Donc en un autre, il y a comme un petit problème. Bon, voilà, il s'agit rien.
Mais honnêtement, les enlever ou faire de sorte qu'ils sont toujours là mais qu'on les touche pas, ça serait grandement gentil de leur part. Voilà. Maintenant, on va se faire un salam, aucune restriction. Et bon, je sais pas s'ils le font un jour, mais ça serait bien. Et bon, ça serait bien qu'ils le font, parce que le problème, c'est que je suis pas le seul, malheureusement, à avoir ce problème-là. Donc, je conseille du coup le Proto Oshore MK1. Voilà, mais ils ont expliqué pourquoi ils voulaient pas le faire. Ils ont expliqué pourquoi ils voulaient pas le faire, mais ce que je comprends pas, c'est que leur façon d'avoir dit ce qu'ils ont dit, bah je comprends pas trop pourquoi ils veulent pas, mais bon, honnêtement, c'est une réponse un petit peu en mode on veut pas, quoi, c'est tout. Hein. Et moi, en vrai, j'ai envie de leur dire une seule réponse, jouez le summit à notre place, et verrez qu'est-ce que ça fait, ça. Et là, à ce moment-là, ils verront vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est très aléatoire. Et si ça les dérange pas, bah franchement, ça prend. Parce que honnêtement, moi en vrai, j'ai juste à leur dire, bah essaye de le mettre à notre place, je te donne la manette, fais, vois ce que ça fait. Et là, vois ce que ça fait, et là, tu vas dire, ah oui, mais en vrai, finalement, tu galères quand même. Manette en main. Je suis sûr qu'ils ne diraient pas la même chose. Ils diraient pas la même chose. Parce qu'ils se rendraient compte que c'est galère. Ouais. Maintenant, on va se faire un radar, aucune restriction. Mais honnêtement, hein, moi, je vous le dis honnêtement. Un jour, je vais les voir et je leur dirai, bah, essayez à ma place et verrez ce que ça fait. Vous verrez ce que ça fait, honnêtement, de galérer sur le jeu. Voilà, parce que je pense qu'ils le font pas, ils le font pas le summit. Donc c'est pour ça qu'ils disent bon, mais ils le font pas. Donc maintenant on va faire le, maintenant on va utiliser du coup en avion le Pilus PC21. Mais c'est pour ça en vrai, ils le font pas le summit avec les bugs, tout ça qu'il y a. C'est qui concrètement qui teste les summits avant que ça soit mis en ligne? D'après vous, est-ce que d'après vous c'est testé avant que ça sorte? Je ne pense pas. Je pense pas. Donc ça veut dire que s'ils le testent par eux-mêmes, ils se rendront bien compte que ça va pas, quoi. Et donc pour les faire, pour qu'ils sachent que c'est vraiment galère, eh ben il faut aller là-bas. Là, dire, tu veux jouer avec moi? Et là, paf, tu joues avec eux. Et là, tu dis, tu veux pas jouer à ma place? Faut que j'aille aux toilettes entre-temps. Et là, quand tu reviens, tu dis, attends, c'est ça que tu fais d'habitude. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah, ils vont peut-être comprendre que finalement ça dure. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ils sont humains comme moi. Je pense qu'ils peuvent très bien comprendre honnêtement qu'on galère, mais tant qu'ils testent pas par eux-mêmes, ils vont se dire, franchement, voilà quoi, faut pas exagérer. Mais ils testent pas, ils le testent pas les summits. Ils testeraient les summits et ils se rendraient compte que c'est une galère. Maintenant, j'ai fini le summit avec les épreuves et les défis de ce summit. Donc c'est quand même vraiment bête. Hein. Bah, c'est pas que j'ai pas réussi à faire 1 300 000 points à 500 points près. Ouais, c'est quand même vraiment bête. Hein. À 500 points près. Bah, à moins de 500 points, j'ai failli faire 1 300 000. Ah ouais, mais c'est quand même bête, j'étais sûr et certain de les avoir fait avec le 5 000 points de plus dans le radar. Hein. J'ai fait 141 000 points 000. Et bah non, j'ai pas réussi. Donc globalement, je vais essayer de retryhard une des courses. Hein, parce que 500 points après, c'est quand même embêtant de pas réussir à les avoir fait. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, le chiffre fatidique ne sera pas atteint. À moins que le radar, on arrive à atteindre 500 points de plus. Je sais pas si c'est possible, mais bon, là ça va être vraiment tendu, je pense. Et globalement, faire 500 points de plus, ça va relever maintenant de l'extrême vigilance. Boire, c'est impossible. Mais j'aimerais bien les faire, ça serait vraiment bien. Hein. Mais bon. Mais vu les scores que j'ai fait, je pense que j'y arriverai pas. Voilà, donc maintenant j'ai fini les épreuves et les défis du coup de ce summit.
Donc je vais montrer toutes les pièces de Perrance et Afix. Donc je reviens à tout de suite. Pour la première épreuve, je vous conseille la Chevrolet Impala American Custom Edition, mais c'est une voiture prêtée, donc il n'y a pas de pièces de Perrance et ni de réglage pro. Pour la deuxième épreuve de Street Tier 2, je vous conseille la Chevrolet Corvette Stingray Interception Unit. Avec les pièces de performance ultra gonflées pures et chimistes de rétro pour 7 pièces. Avec les réglages pro. Pour la troisième épreuve de Street Tier 2, je conseille l'Onigan Chevrolet Big Block 632 Camaro. Avec les pièces de performance ultra gonflées pures et chimistes de la nitro pour 7 pièces. Voici du coup les réglages pro. Pour la quatrième épreuve de Street Tier 1, je vous conseille la Ford Focus RS de 2016. Et faut attention, c'est bien 2016, faut pas se tromper, parce qu'il y en a deux voitures comme ça. Avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour 7 pièces. Avec les réglages pro. Pour la cinquième épreuve de Street Tier 1, je vous conseille la Chevrolet Silverado 1500 avec les pièces de performance de pure ultra gonflée et chimiste de l'intro pour 7 pièces. Avec les réglages pro. Pour la sixième épreuve de Street Tier 1, je vous conseille le Proto E-Point Burning Well Edition. Avec les pièces de performance du pur ultra gonflé et chimiste de la nitro, pour vous, 7 pièces. Avec les réglages pro. Donc là, c'est les derniers réglages pro, hein, quasiment. Hein. Pour le premier défi slalom, je conseille la Red Bull RB14 Disruption Edition. Avec les pièces de performance de surouvé ultra gonflé pur et pulvériseur de score, pour vous, 7 pièces. Voici du coup les réglages pro. Donc du coup je refais du coup ce bout de vidéo parce que j'ai dit que c'était pour les deux premiers salons alors que c'était pas le cas. Pour le deuxième défi salon, je conseille le Proto Oshore MK1 avec les pièces de performance de surdoué pur ultra gonflé et pulvériseur de score pour vos 7 pièces. Donc je vous conseille 4 purs dont 3 ultra gonflés dont 7 pièces surdouées. Voici du coup les réglages pro. Pour le défi radar hein, qui se joue en avion, je vous conseille le Pilatus PC21 avec les pièces de performance ultra gonflées pures et chimistes de la nitro pour vos 7 pièces. Avec du coup les réglages pro. J'aime pas que j'en ai des réglages pro. Honnêtement. Bah voilà, ça c'est des réglages. Maintenant j'ai fini les épreuves et les défis de ce summit. Hein. Donc du coup j'ai déjà fini du coup le summit de The Crew Motorfest, en vrai ça va, franchement j'ai pas trop galéré pour une fois, parce que la semaine dernière j'ai quand même vachement, j'ai passé trop de temps, ouais. La semaine dernière pour réussir à battre tous mes records dans tout le summit global, j'ai quand même passé vachement du temps, là ça s'est quand même bien mieux passé, donc j'ai fait 1 299 530 points, sans dire que même les personnes que j'ai aidées sur YouTube n'ont même pas fait autant de points. Donc bon, c'est que c'est bien. Hein. En étant classé 424e mondial. Donc là, franchement, le summit. Voilà. Il y a même pas. En fait, il n'y a même pas besoin de se poser cette question. Comme le fait que je viens d'expliquer, que je viens de le dire là, en mode je dis rien. Voilà, il n'y a pas besoin de se poser cette question. C'est gagné d'avance, tout simplement. Voilà. Bah ouais. Et la semaine prochaine, bah on ne sait pas ce qu'il y a. Et oui, la semaine prochaine, et bah il y a juste rien. La semaine prochaine, on se retrouvera ici. Mais ça sera pas le Raider Custom. Mais oui, je sais pas ça sera quoi. Mais la prochaine fois, on se retrouvera exactement à cet endroit-là. Avec un summit qui sera complètement différent. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi globalement le nom du summit de la semaine prochaine ou pas? Bah, globalement, on peut savoir. Bah, on peut savoir. On peut savoir réellement c'est quoi le summit de la semaine prochaine, globalement. Étant donné que quand on va sur le site internet, on peut totalement savoir c'est quoi. Si le summit est lisible et si l'image est lisible. Parce que des fois, c'est pas lisible, mais bon. Alors,
Je vais regarder pour voir c'est quoi. Bon, pour une fois, c'est bien lisible. Parce que d'habitude, des fois, c'est assez balisé. Donc, ça sera Lasting Legacy. Voilà. Donc, ça sera ça. Donc, je ne sais pas trop ce que ça sera. Mais globalement, ça sera ça le nom du mine. Après, on a Offroader. Ensuite, on a Rin Gen Rover. Maca Over. Donc là, franchement, c'est un bref, c'est un nom bizarre, quoi. Mais bon, Mac'n Rover, ça doit être des Range Rover, hein. Des gens, des Range Rover, enfin, voilà, quoi. Vous voyez le style de voiture qu'on va avoir, quoi. Donc, enfin, genre, j'ai le mot en tête, mais j'arrive plus à le dire. Et ensuite, on aura Motorfest Sélection. Donc, bah, c'est plutôt BMW Motorfest Sélection. Je pense que c'est plutôt ça le nom du summit, hein. Ouais, BMW, donc on a un suivi BMW, Motorfest Sélection. Bah, ça veut dire que le Motorfest va sélectionner des voitures BMW. Je suppose. Bon, ça veut pas forcément dire. Et là, on aura un suivi qui s'appellerait Porsche Motorfest Sélection. Et là, Nissan Motorfest Sélection. Ouais, donc globalement, voilà quoi. Mais ça, c'est pour les prochains mois. Hein. Mais chaque fin de mois, on va avoir Porsche et Nissan. Bref, enfin, et plus encore, et bien plus, et bien évidemment, et plus encore, comme ils le disent tout le temps dans les articles, on en saura plus bientôt. Voilà, et bien évidemment, la nouvelle playlist sortira lors du 14 août pour le Summit Offroader. Voilà, d'accord? Donc, on se retrouve, et eh ben, la semaine prochaine pour faire Lasting Legacy. C'était celui sans trophée.